Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis vraiment contente d'être de retour. Ça fait un bon 10 jours que j'ai pas vlogué, puis j'avais préfilmé des vidéos, mais je les ai pas mises en ligne la semaine dernière parce que je vous en ai déjà touché un mot, mais j'avais préféré me retirer face au mouvement Black Lives Matter. Je voulais vraiment laisser toute la place à ce mouvement-là, qui est d'ailleurs un mouvement que je supporte à 100%, puis je trouvais que c'était pas vraiment approprié de publier des vlogs comme de cuisine, puis de ménage, puis je sais pas, tu sais, je considérais que c'était vraiment pas important de rester avec mon petit contenu habituel. Donc c'est ça, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas publié. Mais là, j'étais en train de faire le montage des deux vlogs que j'avais préfilmés. En fait, le premier, il est déjà en ligne, c'est le gros ménage du garage. Donc si jamais vous l'avez pas vu, le lien, il va être en barre d'informations. Puis le vlog d'aujourd'hui, c'était un, ben c'est toujours un vlog de cuisine. L'affaire, c'est que comme il a été filmé il y a 2 semaines, il y avait certains petits bouts dedans que je parlais, puis ça avait rapport avec, tu sais, la semaine suivante, puis tout ça. Puis 2 semaines après, ça avait comme vraiment plus rapport là, du tout. Tu sais, le vlog a été filmé à la fin mai, là, pour vous donner une idée. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de le publier quand même, mais j'ai vraiment juste gardé la portion cuisine. Fait que tu sais, il y a pas comme tout mon blabla, puis toute la mise en contexte, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que je vous fais une petite intro quand même assez rapide. Là, je voulais vraiment juste ben c'est ça, vous laissez la partie cuisine là, dans le fond, ce qui vous intéresse le plus. Fait qu'écoutez, j'espère que vous allez aimer ça. Comme à l'habitude, les recettes vont être en barre d'informations. Je vais revenir à la fin de la vidéo pour vous jaser un petit peu. Donc ben écoutez, sur ça, je vous laisse écouter ça, puis on se reparle après. Sur 4 de près, donc la plaque de saucisse là, je la laisse refroidir un petit peu. Puis là, j'avais juste des bébés carottes cette fois-ci, j'avais pas des grosses carottes, fait que en tout cas, c'est sûr qu'ils sont pas mal plus petites là, ça va peut-être être un petit peu plus sec, mais bon, ça me tentait pas de ressortir vraiment juste pour des carottes. Et sinon, j'ai fait pour la première fois les nouilles au sésame et ça sent tellement bon là. Si je réussis mon général Tao, sérieux là, je pense que les deux ensemble, ça va être vraiment vraiment bon. Fait que je, comme d'habitude là, toutes les recettes sont en barre d'informations sauf la plaque de saucisse là, parce que ça c'est littéralement comme des saucisses, des patates, des carottes là. J'avais pas de poivron non plus là, j'avais oublié d'en acheter, puis c'est ça. Pareil, ça fait trop chaud, je voulais pas sortir. Puis les épices que je mets sur mes patates, c'est sel, poivre, poudre d'ail, du persil, puis du paprika. Voilà, c'est simple comme ça. Ça a l'air bien cute tout ça, mais j'étais en train d'enlever l'eau de mon tofu. C'est ça que j'ai lu sur internet. Faut comme tu mets du papier absorbant puis quelque chose de lourd par-dessus. Fait que je suis les étapes que j'ai lues sur internet en un petit peu plus ratchet. Mais écoutez, on fait qu'est-ce qu'on peut.
Bon, fait que ça, c'est en train de refroidir. Ça, ben dans le fond, je le laisse ici en attendant. Là, de toute façon, ça peut être mangé froid, mais quand je vais avoir fini le tofu, ben, je vais tout mettre ça dans des petits pots. Fait que je pense que qu'est-ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais commencer ma vaisselle parce que, comme vous savez, j'ai plus de la vaisselle en ce moment. Puis je sais pertinemment qu'à la fin, quand je vais avoir tout fini de cuisiner, ça me tentera vraiment pas de faire ma vaisselle tout d'un coup. Fait que je pense que c'est ça, en attendant que mon tofu est en train de. Je sais pas le mot, là, pendant que l'eau est en train de s'extraire, je pense que je vais en profiter pour nettoyer là, tout de suite quelques petites choses. J'ai fait tout un mess, mais j'ai fait la sauce, mon tofu ici présent est fait, ma soupe est faite aussi en passant, fait qu'il va juste me rester, je la laisse refroidir aussi là. Mais là c'est ça, il me reste juste à faire cuire le tofu. J'ai regardé des vidéos sur YouTube de comment tu fais cuire du tofu, fait que j'espère que je vais le réussir. À suivre. Mais ça sent tellement bon, je pense que je vais y goûter là, même si j'ai pas vraiment faim tout de suite, mais ça sent vraiment vraiment bon, puis finalement ça s'est super bien fait là. Moi j'avais peur à la cuisson du tofu là, mais finalement c'était vraiment facile à faire, la sauce aussi. Puis sérieux là, je vous dis, si vous pouviez sentir dans ma cuisine en ce moment là, ah, ça sent trop bon. Verdict de mon tofu pour en avoir pris une bouchée à l'instant, c'est vraiment vraiment bon. L'affaire c'est que je suis pas convaincue de la texture de mon tofu, je pense que c'est pas assez ferme, fait que je sais pas trop, peut-être que je l'ai pas fait cuire assez longtemps, je sais pas, mais en tout cas je trouve que c'est peut-être une petite coche trop mou. Mais bon, c'est pas la fin du monde, là. Au moins la sauce ça goûte bon, puis le reste du tofu, ben t'sais, c'est mangeable quand même, là. C'est pas, j'aimerais mieux qu'il soit plus croustillant, mais c'est correct, fait que je vais sûrement... Me repratiquer là, à travailler un petit peu avec le tofu, mais la sauce en tout cas, là, ça j'ai rien à dire, là, c'est vraiment vraiment bon. Bon, mais je voulais vous montrer de quoi ça avait l'air, fait que ça m'en a fait quand même pas mal de portions. Là, la soupe, ça c'est 2 portions, fait que ça logiquement c'est au moins 4 portions. Le général Tao, ça m'en a fait 5, puis plaque de saucisse, ça m'en fait 3. Puis je remarque que c'est tout de la même couleur parce que j'ai réalisé en le faisant que j'avais oublié d'acheter des oignons verts encore pour ça. Je suis vraiment tête en l'air, sérieux, j'avais comme tout écrit mes ingrédients, mais visiblement j'en avais oublié un petit peu trop. Fait que c'est pour ça qu'il manque un petit peu de verdure, mais écoutez, c'est pas la fin du monde, là, ça s'arrange, là, au pire j'irai en acheter, puis
j'en rajouterai dedans, puis c'est tout. Je mangerai d'autres légumes verts à côté. Il y a des choses bien pires que ça dans la vie. Fait que je vais tout ranger ça. Après ça, il me reste encore un petit peu de vaisselle à faire, un petit peu de vaisselle à essuyer. Puis là, je sais que je voulais peut-être faire un dessert. Bon, en tout cas, j'avais dit que je voulais faire un dessert, mais là, j'ai plus envie pantoute de le faire. Fait que je pense que je vais juste ranger ma cuisine, mes affaires tranquilles. Puis après ça, je vais prendre ça relax un petit peu. Là, c'est juste, je sais, quand je vais avoir fini la vaisselle, je vais être complètement tannée, puis ça me tentera plus d'en faire. Puis peu importe le dessert que je vais faire, ben logiquement, je vais quand même avoir besoin de salir de la vaisselle un peu. Puis là, sérieux, j'ai juste le goût d'aller dehors. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme j'ai dit, si je m'excuse, là, c'était un petit peu décousu, mais je voulais pas comme complètement canceller le vlog parce que j'étais quand même fière de mes recettes. Puis là, ben, comme j'ai dit, ça fait 2 semaines, fait que ça fait longtemps que ces plats-là ont tous été mangés. Mais si je veux un petit retour vite vite, bon, la soupe, la plaque de saucisse, c'était pas la première fois que je faisais ça, donc évidemment, c'était très très bon. Puis pour ce qui est du tofu, j'ai encore le même discours. La sauce était vraiment bonne, mais c'est la texture de mon tofu que j'étais pas certaine. Fait que je vais continuer à me pratiquer, puis peut-être qu'éventuellement, je vais finir par avoir là, vraiment la texture que je veux. Sinon, les nouilles au sésame, ça c'était vraiment vraiment bon, donc ça, c'est certain que ça s'en va dans ma liste de recettes à refaire, mais overall, j'étais vraiment contente. Ça fait du bien des fois d'essayer des choses comme un petit peu différentes, là, puis je pense que vous le voyez, tu sais, récemment en cuisine, j'essaye peut-être un petit peu plus d'affaires que ce que j'essayais avant. J'ai vraiment la voix enrouée, là, il est encore tôt le matin, puis à part FUD, j'ai pas parlé à grand monde. Mais c'est ça, fait que bref, j'espère que le vlog vous aura plu malgré tout. En théorie, là, après ce vlog-ci, je vais revenir à un horaire de vlog là, un petit peu plus régulier. Tu sais, dans le fond, je filme, puis le vlog est en ligne 2 ou 3 jours après, là, quelque chose comme ça. Donc c'est ça, je suis vraiment contente d'être de retour avec vous, puis nous, on se retrouve bientôt dans un nouveau vlog. Bye!